Salut à tous, c'est Atomix, on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel qui va vous apprendre à utiliser Action et Camtasia Studio 8. Donc c'est la partie 2 du tutoriel qui vous apprend à filmer votre écran de PC. Donc bien sûr, je vais vous apprendre à utiliser ces deux tutoriels seulement dans le cadre de l'enregistrement de votre écran, parce que Camtasia fait aussi montage vidéo, et moi je vais pas vous apprendre à faire du montage de vidéo, je vais juste vous apprendre, pardon, à utiliser les deux logiciels dans le cadre de l'enregistrement de votre écran de PC. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, vous cliquez juste ici et vous atterrirez donc sur cette vidéo. Et pour ceux qui ont vu la partie 1, donc qui vous apprenait bien sûr à installer ces deux logiciels, eh ben on peut tout de suite commencer pour la partie 2. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer Action. Donc Action, c'est le logiciel avec lequel je filme pour l'instant. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous allez atterrir sur cette petite fenêtre. Donc cette petite fenêtre, c'est la fenêtre d'Action. Donc quand vous l'ouvrez, vous atterrissez là-dessus. Donc il y a plusieurs petits onglets ici et plusieurs petits paramètres un peu partout. Je vais les passer vite en revue avec vous. Donc le premier onglet, c'est l'onglet enregistrement vidéo. Donc c'est là que les paramètres principaux sont mis. En général, on touche que à cela, sauf si vous voulez vraiment avoir accès à tous les paramètres, vous pouvez aller dans les onglets juste ici. Mais je vous conseille pas forcément d'aller dans cela. Moi, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose de super utile. Juste paramétrer ces paramètres-ci, donc que je vais vous apprendre dans cette vidéo, ce sera bien suffisant pour filmer votre écran. Donc le mode d'enregistrement, vous allez sélectionner celui-ci. Donc c'est pour filmer votre écran, que vous ouvrez une page internet ou autre chose, ça va continuer à filmer tout l'écran. Ça, c'est pour enregistrer juste un jeu ou juste une application quoi. Et ça, c'est pour sélectionner une zone de votre écran. Donc par exemple, si vous voulez pas enregistrer la barre ici en dessous parce que vous voulez pas que les gens voient ce que vous aviez comme onglet ou j'en sais rien moi, que vous voulez enregistrer juste le coin de votre écran parce qu'il y a juste ça qui vous intéresse et que le reste de votre écran vous pouvez vouloir vous pouvez vouloir faire ce que vous voulez sans que vos viewers voient ce que vous faites dans le reste de votre écran. Vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez enregistrer avec ce petit onglet-là. Donc moi ici dans la vidéo, je ne peux pas sélectionner les choses puisque je suis en train d'enregistrer actuellement. Donc je ne vais pas pouvoir cliquer pour vous montrer comment on fait vu que je suis occupé à enregistrer. Format du fichier, vous mettez bien sûr en AVI si vous êtes sous Windows. Hein. En dimension de la vidéo, vous pouvez mettre soit 720p, ce qui est largement suffisant, ou 1080p si vous voulez vraiment avoir une meilleure qualité. Donc moi je suis en 1080p. En image, vous laissez en 60 fps, c'est le mieux. Hein. 30 fps suffisent, mais moi je laisse en 60, comme ça je suis sûr d'avoir vraiment une bonne vidéo. Durée maximum, ça c'est pour par exemple si vous mettez des vidéos sur YouTube, donc comme moi. Et que vous avez une limite de 15 minutes, vous cochez la case durée et vous mettez ici 15 minutes. Et donc à 15 minutes, votre vidéo va se couper automatiquement. Donc moi j'ai pas coché la case comme ça. Si jamais je veux tourner une énorme vidéo, eh ben j'ai pas besoin de devoir à chaque fois relancer le logiciel pour pouvoir retourner. Donc ça, je vous conseille de le mettre à une minuterie donc fort élevée, comme ça vous êtes sûr de pas être bloqué. Et si vous voulez que ça se coupe automatiquement, vous cochez la case durée. Ici vous mettez enregistrer le son et système, sauf si vous voulez pas que on entende le bruit que votre PC fait. Et autoriser l'enregistrement du son par plusieurs canaux, ça je le mets pas parce que ça sert pas à grand chose. Et microphone pardon, vous mettez toujours enregistrer, ça c'est assez important, surtout si vous avez un micro. Si vous n'avez pas de micro, que vous mettez de la musique après au-dessus, ben ça vous n'êtes pas obligé de le mettre en toujours enregistré. Donc ensuite, une fois que vous avez paramétré tout ça, ce qui est normalement pré-enregistré donc par le logiciel, quand vous l'ouvrez, la plupart des paramètres sont déjà mis de cette manière-là. Vous pouvez aller ici, vous cliquez sur les trois petits points et vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez que vos vidéos, une fois qu'elles seront tournées, aillent s'enregistrer dans votre ordi. Donc vous cliquez sur le petit dossier là pour sortir. Donc là on est dans le disque C. Vous sélectionnez votre fichier, le n'importe lequel, et vous faites OK pour sélectionner donc l'endroit où vous voulez que vos vidéos se placent. Une fois que tout est paramétré ici, pour tourner, vous appuyez sur le bouton rouge ici.
Pareil, quand c'est fini, vous réappuyez sur le bouton rouge, ou vous pouvez aussi faire F11 ou F9, je sais plus, enfin ça faut tester, je l'utilise parfois mais pas souvent. Ensuite, l'onglet live, c'est pour faire des lives, ça moi je n'utilise pas du tout, donc je sais pas exactement comment ça marche. Ici vous avez tout ce qui est son, donc vous pouvez tout ce qui est microphone et aussi le son de votre ordinateur, enfin tout ce qui est son quoi. Là on a un truc, ça je sais absolument pas ce que c'est. C'est aussi une sorte d'enregistrement mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai oublié de préciser, dans l'onglet son vous pouvez aussi enregistrer juste votre voix, donc si vous voulez enregistrer juste du son vous cliquez là-dessus, c'est comme Audacity, ça enregistre juste le son. Ici c'est des captures d'écran, donc ce sera des images, donc quand vous cliquez là-dessus ça capture votre, ça fait une photo de votre écran si vous voulez. Et ici dans les paramètres vous avez tous les paramètres qui sont un petit peu plus précis. Alors un truc important que je voulais vous montrer dans ces paramètres, c'est aller dans le petit onglet ici, donc avec le haut-parleur, aller dans microphone, et dans microphone vous allez augmenter votre micro, parce que sinon on n'entend pas assez fort le micro, enfin en tout cas à mon goût. C'est un conseil que je vous donne, après libre à vous de le respecter ou pas du tout, mais moi la plupart des youtubeurs en tout cas augmentent un petit peu leur micro pour être sûr que les gens vous entendent. Ne le mettez pas à 100 parce que sinon ça va... le son va être moche, le son va être gâché, et ne le descendez pas trop non plus, parce que sinon, ben, on vous entendra pas du tout. Ensuite, ici, dans les réglages généraux, vous pouvez cocher cette case-ci. Comme ça, quand vous lancez l'enregistrement, donc quand vous cliquez sur la boule rouge, Action se ferme automatiquement, vous n'avez pas besoin d'à chaque fois cliquer ici pour que Action se mette en plus petit. Donc voilà, ça c'était pour Action, comme ça vous savez filmer avec Action. Ensuite, on va passer à Camtasia. Donc Camtasia, c'est ce logiciel-ci hein, que je vous avais appris aussi à installer dans la vidéo précédente. Donc on va vite... Ah non, il me reste des jours, pardon. J'allais dire, on va vite remettre la clé et désactiver le Wi-Fi, mais on n'aura pas besoin. Voilà, hop. Donc une fois que vous arrivez dans Camtasia, là vous avez vu qu'il m'a proposé de soit enregistrer l'écran, soit importer les médias. Si jamais vous le fermez comme moi par erreur, parce que j'ai tellement l'habitude de le fermer que je l'ai fermé sans le vouloir. Ici en haut à gauche vous allez cliquer sur Record the Screen. Vous attendez un petit peu. Et il y a un autre petit logiciel qui va s'ouvrir et des pointillés qui vont apparaître tout autour de votre écran. Donc cet onglet-ci vous pouvez le fermer. Donc ça c'est le logiciel de montage de Camtasia. Vous pouvez le fermer comme j'ai dit. Et donc on se retrouve avec ceci. Donc c'est avec ça que vous allez enregistrer votre écran. Premier réglage à faire, c'est vous voyez que vous avez les pointillés tout autour de votre écran. C'est ça qui va définir la zone que vous voulez filmer de votre écran. Donc en général, moi je le laisse tout le temps comme ça. Hein. Mais en général je filme pas avec Camtasia, mais avant je filmais avec Camtasia. Et donc le plus simple c'est de le laisser comme ça. Mais si vous avez encore une fois envie de filmer qu'une seule zone de votre écran, vous pouvez le réduire ou l'augmenter. Et ça vous pouvez vraiment régler comme vous voulez en prenant chaque point. Mais ça doit rester donc en format allez comme ça doit rester dans le même, ça doit être proportionnel quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, on va le mettre en grand. Donc ici vous pouvez sélectionner la taille exacte au pixel près. Donc là on met en custom, donc là vous laissez toute cette case-ci, pardon, vous la laissez normale. Enfin comme elle est pré-sélectionnée, donc ça c'est très bien pour filmer tout l'écran, vous laissez comme ça, vous n'y touchez pas, sauf si vous voulez par exemple filmer que le centre de votre écran ou quoi, vous pouvez régler ici si vous voulez que ce soit plus précis. Ici vous pouvez activer ou désactiver la webcam, donc vous allez là et vous choisissez votre webcam qui sera bien sûr branchée pardon, à votre ordinateur. Là vous sélectionnez votre micro. Un conseil, si vous faites des vidéos sur YouTube, n'utilisez pas le micro de votre ordinateur parce que c'est juste pourri presque sur tous les ordinateurs. Achetez un vrai micro ou un vrai casque avec un micro. Ici vous sélectionnez le volume de votre micro, donc là vous pouvez voir que je parle et la petite barre qui est verte quand je ne parle pas augmente jusque dans le rouge quand je parle fort. Voilà, ça a été jusque dans le rouge. Un conseil c'est de le mettre plus ou moins ici ou au milieu si vous avez un très bon micro, moi je le mets là pour qu'on m'entende quand même bien. De nouveau ne le mettez pas à fond parce que si vous le mettez à fond votre voix sera
Enfin, ça deviendra moche, quoi. Le son sera avec des interférences dedans, comme ça. Et une fois que vous avez réglé ça, vous cliquez sur Rec et l'enregistrement se lance. Donc moi, je vais pas le faire pour essayer de pas faire bugger mon ordi, vu que il est déjà en train d'enregistrer une fois, faire deux enregistrements en même temps, ça risquerait de faire bugger mon ordi. Donc je vais le laisser comme ça. Donc voilà, ça c'était pour enregistrer avec Camtasia. Je vous ai expliqué comment lancer l'enregistrement avec Action et avec Camtasia. Camtasia c'est un tout petit peu plus simple, ne fût-ce que ça reste quand même le même principe, vu qu'une fois que vous avez réglé une fois le logiciel, bien sûr, quand vous le réouvrez, les réglages restent appliqués. Donc vous n'avez pas besoin d'à chaque fois refaire les réglages, c'est comme dans tous les logiciels, c'est classique, on va dire. Donc voilà, j'ai fini pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais justement vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à commenter si vous avez des questions, ou s'il y a des choses que je fais bien dans mes vidéos, s'il y a des choses que je fais pas bien, donnez-moi des conseils, ou dites-moi d'arrêter ceci ou cela. Si vous avez aussi des idées de tutoriel, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, parce que je commence à être un peu à court. Et ben voilà, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Atomix. A plus.